Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. J'ai lu pas mal de choses en ce début d'année 2024, des choses donc que je vais vous présenter de ce pas. Tout d'abord, j'ai lu Insane Cravey de JL Delacroix. Je remercie infiniment l'auteur du coup pour l'envoi de son livre. Ce fut une très bonne lecture, c'est le premier tome, il y en a deux. Ici, on va suivre du coup le personnage de Catherine. Catherine, elle vit avec un père violent, un père toxique. Et elle essaie de trouver sa place dans le monde en règle générale, mais en fait c'est assez terrible ce qui lui arrive durant tout le roman. On la suit dans sa perte de foi totale en l'homme en règle générale, puisqu'en fait tous les hommes qu'elle va croiser vont la traiter comme un objet. On est assez triste durant la lecture pour elle en fait. J'ai trouvé la narration assez bien réalisée, j'avais envie de connaître la suite, la fin m'a scotché, j'ai trouvé le personnage féminin assez bien écrit. En l'occurrence, ce qui est vraiment une bonne chose. Je suis assez curieuse de lire le tome 2, mais j'ai l'impression que dans le tome 2, en l'occurrence, on va être dans quelque chose de totalement différent. Là, on est plutôt dans une histoire psychologique assez triste. C'est pas folichon, sachez-le. Si vous avez envie de lire quelque chose de joyeux, on n'est pas là-dedans. C'est assez triste, mais c'est néanmoins une assez bonne lecture que je suis contente d'avoir faite. Donc, j'ai lu ensuite Life Ceremony de Sayaka Murata. Vous savez, j'ai lu Les Terriens de sa plume. Les Terriens, roman complètement barré, mais que j'ai beaucoup aimé. Et donc, je me disais, Life Ceremony, j'ai bien envie de lire cela. C'était un recueil de nouvelles, en fait. Dans ce recueil de nouvelles, on va trouver des thématiques toutes plus étranges les unes que les autres. Des objets humains, une étrange ville, un animal de compagnie, du cannibalisme. Voilà. Les thèmes divers et variés, notamment que l'on peut trouver dans ce recueil de nouvelles donc. Mais ça m'a laissé assez mitigée. J'ai trouvé le recueil assez inégal en fait, avec des nouvelles qui m'ont beaucoup plu et d'autres pas du tout. En tout cas, des nouvelles qui, pour le bon point, ont toute une spécificité qui est leur étrangeté. Donc c'était pas inintéressant, mais c'était assez inégal donc pour cette lecture. Voilà. J'ai lu ensuite Mooncaster de Robert Westfall. Une lecture qui m'intriguait beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. C'est un court roman, hein. C'est vraiment tout petit, sachez-le, vous le lisez extrêmement vite. On va y suivre un homme qui s'appelle Joe, et Joe en fait il est cordiste. Il est cordiste depuis toujours quoi, depuis toujours. Et en fait on lui demande d'aller bosser sur la cathédrale de Mooncaster, et il est super content parce que c'est un projet de fou, mais il va vite constater qu'en fait quelque chose de louche se passe avec ce bâtiment. Et c'était vraiment cool. Il y a vraiment une ambiance que j'ai beaucoup aimée dans ce court roman. J'ai accroché à l'écriture. Le tout était dynamique. Forcément, bon, c'est pas difficile étant donné que le roman est très très court. J'ai bien aimé les personnages. On a une ambiance assez austère, gothique, inquiétante. En tout cas, proche du gothique, on va dire. J'étais vraiment contente du coup d'avoir découvert cette œuvre qui m'intriguait beaucoup qui à mon sens est assez qualitative donc. J'ai lu ensuite The Walking Dead Clémentine tome 1 de Tilly Walden. J'ai lu tous les comics de Walking Dead, j'ai joué au jeu, je n'aime pas la série, voilà, c'est super bizarre. J'adore les comics de Walking Dead mais j'ai pas aimé la série. La série, je m'ennuie profondément. Je n'arrive pas à dépasser la troisième saison à chaque fois parce que, voilà, je dois l'admettre, je suis navrée pour tous ceux qui aiment la série The Walking Dead. Mais moi, vraiment, genre, je suis team comics, la série, j'ai pas du tout accroché, enfin. Bon. Et les jeux, j'aime bien, voilà. Donc, je me disais, bah, cool, j'avais envie de retrouver cette ambiance, sachant que, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent l'univers de The Walking Dead, mais pour ceux qui ne connaissent pas également, je reprécise, dans cette BD-là, on va s'intéresser à Clémentine. Clémentine, c'est un personnage qui est issu des jeux vidéo, un des personnages phares des jeux vidéo. Donc on n'est pas dans l'univers des comics de Kirkman, on est vraiment dans l'univers du jeu ici. Et j'étais contente de retrouver cet univers, mais j'ai pas trouvé la narration cohérente. Mais là, vous allez dire, ouais, bon, t'abuses, je suis gigatationne, mais moi, j'ai pas été satisfaite de la narration. En fait, si vous voulez, le personnage principal, Clémentine, va quitter Eiji au début de cette BD. Si tu connais un peu l'univers, elle s'en va, tu vois, elle quitte Eiji. Voilà. Mais tu te dis, non. C'est pas possible. Si tu connais un peu l'univers, tu sais qu'elle pourrait pas le quitter comme ça.
elle le rementionnerait, elle n'aurait pas laissé derrière lui comme ça, elle n'aurait pas abandonné ainsi. C'est quelqu'un dont elle est proche, voilà. Donc c'était pas mauvais, les dessins sont très beaux, même magnifiques, pour ainsi dire. Mais narrativement, j'ai pas trouvé ça ouf, parce que c'était pas cohérent. Après, peut-être que vous allez beaucoup aimer, je sais pas. Moi, je parle comme ça, mais peut-être que si on connaît pas l'univers de base, peut-être que ça plaît. En tout cas, ouais, moi, j'ai pas accroché pour cette raison, et j'en suis navrée. Ensuite, j'ai voulu lire un classique de la SF. Un gros, gros classique dont j'entends énormément parler. Un classique de la SF horrifique, hein, parce qu'on est vraiment dans un... Waouh, on va dire... Une nouvelle, un court roman de SF très glauque. C'est I Have No Mouth and I Must Scream, avec mon magnifique accent anglais toujours. Hein, toujours. On garde les traditions sur cette chaîne. Donc de Harlan Ellison. Plume que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout, pour ainsi dire. J'y suis allée les yeux fermés en me disant, bon, j'en entendais tellement de bien que j'ai foncé. Donc ça fait très longtemps que je voulais lire, si vous voulez, ce classique de l'SF. Donc là, je l'ai lu en anglais parce qu'il n'a pas été traduit en français. Donc 150 pages ici. On est après la guerre froide. Tout est détruit. Et on est avec des personnages qui sont totalement contrôlés par un ordinateur, si vous voulez, avec une intelligence et une conscience extrêmement développée, presque une IA, quoi, en l'occurrence. Et ce que j'ai trouvé assez dingue dans cette lecture, c'est que ce texte ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait vraiment réfléchir sur des thématiques actuelles comme l'intelligence artificielle, évidemment. C'est assez terrifiant comme histoire. Le concept est vraiment terrifiant. Parce que les personnages, ici, ils sont bloqués sans aucun espoir de libération, sans aucun espoir de bonheur. Ce sont les seuls restants vivants et ils sont littéralement torturés par une machine, quoi. Donc c'est... Le concept était vraiment génial et j'ai trouvé cela... hyper intéressant. C'est un livre qui aurait vraiment pu, à mon sens, être un énorme coup de cœur, mais malheureusement ça ne l'est pas. Et pour quelle raison? Eh bien, pour une raison que l'on retrouve souvent dans les vieux textes de SF, les vieux textes de fantasy, les vieux textes d'horreur, en tout cas, voilà, c'est que ce texte, malheureusement, est assez sexiste sur nombre de points, hein, voilà, puisque le seul personnage féminin que nous avons dans ce récit, son traitement, bon, voilà. Et puis, et voilà, il contient aussi d'autres effusions hein, nauséabondes qui m'ont pas mal dérangée et qui m'ont parfois fait sursauter. Donc, ça aurait pu être un gros coup de cœur, mais là, c'est non. C'est souvent le risque quand tu lis des vieilles œuvres de littérature de l'imaginaire en l'occurrence. Et après ma lecture, je me suis dit, bon, ok. Et puis je suis allée sur Goodreads et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui en fait partageaient mon avis à ce sujet et qui eux aussi ont été assez surpris hein, à la lecture. C'est pour cela que malheureusement, ce n'est pas du tout un coup de cœur me concernant, bien que le concept soit original. Ensuite, je suis trop contente, j'ai lu la suite qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est Les Liens du Sang, tome 14 de Shuzo Oshimi. Je vous ai déjà parlé de ce manga, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes meilleures lectures de 2023 en fait. Hein. Et là, c'est le tome 14, j'ai hâte. Je crois que ça se termine au tome 17, donc on y est bientôt. C'était vraiment extraordinaire. Je pense que vous savez un peu, puisque j'en ai parlé à de multiples reprises sur cette chaîne, mais nous sommes dans un manga qui va traiter de la relation toxique, donc d'une mère avec son fils. C'est un manga psychologique assez sombre, mais pas gore, pas dégoûtant, juste sombre et psychologiquement dérangeant. J'ai dévoré ce tome, encore une fois, à une vitesse assez hallucinante. On suit en gros dans ce manga donc cette relation toxique. Et plus on avance dans les tomes, honnêtement, là, plus c'est triste, plus c'est horrible, quoi. Enfin, moi, ça m'a déchiré le cœur. C'est pas un manga joyeux, là aussi. Je suis désolée, dans cette update, les lectures sont pas folichonnes. Hein. On n'est pas sur des lectures joyeuses, pas du tout. Mais des bonnes lectures tout de même, mais pas des lectures joyeuses, ok. Trigger warning, suicide ici, pour les personnes qui sont le plus sensibles. Je précise toujours les trigger warnings. Voilà, moi, je suis navrée, je préfère toujours préciser cela.
Les dessins sont toujours absolument magnifiques. Ils sont porteurs d'une émotion incroyable. Les écritures des personnages sont rendues à merveille ici. Moi, j'ai ressenti à travers le dessin totalement. L'histoire suit son cours de façon très cohérente. J'ai trouvé que c'était un bon tome. Et il y a une spécificité dans ce manga-ci, dans ce tome-ci, c'est que vraiment, il y a des traits de dessin totalement différents. On peut passer d'un dessin comme cela à un dessin comme cela ou à un autre dessin beaucoup plus beaucoup. Enfin, en fait, vraiment là dans ce manga-ci, j'ai trouvé que le dessin encore plus encore que dans les autres tomes, il était porteur d'une émotion et il était hyper important. Et c'est juste génial. J'adore ce manga et je vous le conseille si vous avez le cœur bien accroché. Et si vous êtes prêt à lire un manga psychologique assez lourd. J'ai lu ensuite un recueil de nouvelles. J'ai lu Extrême de Case Koja. Case Koja, c'est une autrice que j'ai lue pas mal en fait. Hein. J'ai lu Brèche vers l'enfer, j'ai lu Corps outragé, j'ai lu Décérébré, de ceux dont je me souviens. Voilà. Donc c'est une autrice, j'ai été plutôt intriguée de découvrir toute son œuvre. Un recueil de nouvelles ici qui n'est pas une mauvaise lecture, mais pas une excellente non plus. Pour la raison simple que, à chaque nouveau recueil de nouvelles, là, c'est assez inégal. Ici, un recueil avec des histoires toutes plus barrées les unes que les autres. On va trouver une femme qui prend racine et qui se métamorphose dans le jardin de son ex-compagnon. Un homme rescapé d'un crash qui va découvrir qu'il a le pouvoir de voler. Enfin, des idées donc qui étaient franchement intéressantes. Comme c'est souvent le cas dans les recueils, voilà, il y a des histoires qui m'ont moins plu que d'autres. Et aussi une écriture que j'ai trouvée parfois assez difficile à suivre, ce qui rendait ma lecture un peu plus laborieuse par moment. Mais c'est le cas dans les romans de Case Koja. Case Koja, alors je ne sais pas si c'est la traduction ou si elle a réellement une écriture particulière, mais j'ai pu constater lors des différentes lectures que je faisais de sa plume qu'elle avait quand même une écriture assez particulière. Donc voilà, il faut accrocher quoi. Il faut accrocher, moi j'ai plutôt aimé ce recueil, je suis assez contente de l'avoir lu. Il y avait des idées franchement intéressantes, mais ce n'est pas un coup de cœur donc. Ensuite, j'ai lu une très bonne lecture, j'ai lu Délivrez-nous du bien de Joanne Sanson. Alors ça ne plaira pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde. Moi j'avais vu passer le livre de cette autrice dans les Paperbacks from Hell en anglais. Donc ça s'appelle The Auctioneer en anglais je crois. Donc j'avais hâte de lire quand j'ai vu forcément l'annonce de sa trad en français. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On est donc à Harlow, dans une petite bourgade. Et alors que chacun vit tranquillement de ses terres, voilà, ils sont en autosuffisance, si vous voulez, ils achètent que ce qu'ils produisent pas, t'as un homme qui va débarquer de nulle part. Cet homme, c'est un commissaire-priseur. Et il va s'allier avec la police pour organiser des enchères locales et renflouer les caisses, donc. Il va alors aller d'habitant en habitant pour les pousser à se séparer de leurs biens pour, justement, qu'ils les mettent aux enchères. Mais la question de ce roman, c'est jusqu'où et jusqu'à quel prix. Et pour ce roman, c'est pour ça que, alors il y a pas mal de raisons qui font que tout le monde ne va pas aimer. Donc je tiens à vous le préciser. Voilà, moi j'ai adoré, mais tout le monde ne va pas aimer. Ne vous attendez pas à quelque chose d'haletant, à quelque chose d'hyper rapide, à quelque chose de dynamique, parce qu'ici, le rythme est plus lent. C'est ce qu'on appelle souvent un slow burn. Enfin voilà, le rythme est assez lent. Donc si vous n'aimez pas les romans qui prennent leur temps, n'y allez pas, parce que là, on est là-dedans. Et durant tout le roman, je dois l'admettre, je me suis questionnée sur pourquoi les personnages n'en faisaient pas plus pour s'en sortir et se laisser autant faire. Mais en même temps, le questionnement, il est super intéressant, parce que petit à petit, ils vont accepter leur sort, de plus en plus crescendo, de par leur infériorité, évidemment, face à cet homme peu scrupuleux, et de par leur infériorité, évidemment, aux forces de l'ordre. Et quand ils finissent par réaliser, c'est déjà trop tard. J'ai trouvé la fin top, hyper cohérente. Enfin, ça plaira pas à tout le monde, donc. Mais moi, j'ai absolument adoré ce roman. Et je vous le conseille pour ceux qui n'auraient pas peur de s'engager dans quelque chose qui ne soit pas forcément giga speed, quoi. J'ai lu ensuite un roman qui m'a totalement bouleversée. Vous le savez, je ne pleure jamais quand je lis un livre, je vous l'ai dit, je ne pleure jamais, ok? Jamais je vais lâcher une larmichette, jamais je vais pleurer. À la limite, je vais l'avoir au coin de l'œil, quoi. Vous voyez, genre, je vous ai parlé de plusieurs livres où j'avais la larme au coin de l'œil, mais elle va jamais couler. Et bien ce livre, il m'a fait pleurer.
il m'a fait pleurer pendant et après la lecture, parce que j'en suis ressortie complètement retournée, quoi. Un monde plus sale que moi, de Capucine Delattre. Alors, que je remette mes idées en place. Donc, nous allons, dans ce roman, suivre l'histoire d'Elsa. Elsa, c'est une jeune femme qui a eu sa première relation amoureuse à l'époque de hashtag MeToo, pour vous recontextualiser un petit peu la chose. Donc, bien plus jeune que moi, en l'occurrence. Et en fait, elle a eu sa première relation amoureuse à cette époque, une relation abusive avec un homme qui, en fait, va lui faire beaucoup de dégâts psychologiques, mais également physiques. Gros trigger warning viol hein, dans ce roman, il faut le savoir. Et ça m'a complètement retourné le bide. Donc, c'était une lecture assez difficile. Ben, comme je vous l'ai dit, voilà, j'en ai lâché ma larme. Chacun va le ressentir différemment, évidemment, en vue du trigger. Et des nombreux triggers en réalité qui se trouvent dans ce récit, donc je préfère tout de même le signifier. On est dans l'intériorité de la tête de cette jeune femme en fait, lors de cette relation. On traite de beaucoup de sujets qui à mon sens sont très importants. On va y traiter de la zone grise lors de cas de viol, de ce doute constant dans les têtes des victimes, de la responsabilité qui les incombe dans ce qui s'est produit, bien qu'il n'ait pas lieu d'être en réalité, mais on va aussi parler de l'après et de la reconstruction des victimes. Et on assiste évidemment à tout le processus psychologique du début à la fin de sa relation avec cet homme. Et bien que la protagoniste ne soit pas, donc, comme je vous l'ai dit, de la même époque que moi, puisqu'elle était plus jeune, car vivant son premier amour à l'époque, à l'avènement en fait de hashtag MeToo, je trouve qu'on se retrouve quand même pas mal en elle. C'est un livre qui est hyper important à mon sens, parce qu'il retranscrit très bien ses schémas dangereux et toxiques. Et je me dis que c'est un livre qui, si on le lit plutôt qu'à mon âge, ou en tout cas au bon moment, peut vraiment, vraiment aider. Vraiment. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un livre important, parce que je trouve que c'est un bouquin qui peut véritablement aider des gens, aider des jeunes femmes qui seraient dans cette situation, ou tout du moins qui s'apprêtent à être dans cette situation, avant, après ou pendant, peu importe. Mais en tout cas, c'est un livre qui aide beaucoup, qui pose des mots là où on ne peut pas forcément en poser, là où on n'arrive pas forcément à en poser. Et j'ai trouvé que c'était un livre extraordinaire, même si c'est très difficile. J'ai trouvé cela très difficile à lire. J'ai tout de même trouvé que c'était un livre extraordinaire, c'est une claque. Voilà, ce roman, c'est une claque. J'en ai terminé du coup pour les livres. J'ai regardé une série et un film, et j'ai re-regardé un film. Donc j'ai regardé Creepshow, saison 4. J'adore Creepshow, vous le savez, c'est la nouvelle série en fait, hein, Creepshow. J'adore, j'ai adoré. Ah, je l'ai trouvé un peu plus faiblarde sur les épisodes quand même, la saison 4. Il y a des épisodes où j'étais pas forcément giga conquise, alors que bon, j'aime beaucoup, mais là... J'étais pas giga conquise, donc j'ai trouvé plus faiblarde que les autres saisons. Mais j'ai trouvé tout de même que c'était extraordinaire, j'aime beaucoup l'ambiance de cette série. Moi, vous le savez, c'est vraiment mon délire. Hein. Les trucs comme ça, c'est vraiment mon délire, et les séries ainsi, c'est tout à fait ce que j'aime, donc je me suis régalée. Je me suis revisionnée donc Alien le Retour, qui est le second opus de la saga Alien. En fait, j'ai cru entendre dire qu'un nouvel Alien allait sortir en 2024. Donc je me suis dit, tu vas tout remater, Jodie, tu vas tout remettre dans la tête. Je suis une énorme fan de cette saga. Je me suis régalée, évidemment, comme à chaque fois. Ça fait partie des films que je pourrais me remater 100 fois sans jamais me lasser. Voilà. Il y a des films comme ça, écoutez, notamment les Goonies, Dangereuse Alliance, et multiples autres références, bien évidemment, que je ne citerai pas. Mais bon, pour moi, ce sont des références absolues. Alien le Retour, je me suis régalée. Hélène Ripley, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour. C'est vraiment un personnage extraordinaire. Je l'aime. Je l'aime. Vous comprenez ça? Je l'aime. Voilà. C'est dit. Hélène Ripley, cœur sur toi, car je t'aime. C'était extraordinaire et je vais continuer de ce pas, évidemment. Donc, dans les prochains updates, vous verrez mon revisionnage petit à petit de tous les Aliens. J'en ai terminé pour cet update. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai effectuées ou des visionnages.
En tout cas, j'espère que cet update vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.